Le sénateur Tibassi Mambogemo Ateni condamne les tueries de civils le vendredi 16 février dernier à Tali, en territoire de Djougou, par des hommes armés. Pour ce notable Ituriien, ce genre de comportement doit cesser immédiatement et laisser place au développement. Tout le monde est appelé à soutenir les efforts de paix déjà consentis par l'administration militaire de l'Ituri. Déclaration faite ce lundi 19 février courant après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachema Johnny. C'est la situation sécuritaire de la province. Oui, d'abord, je voudrais sincèrement compatir avec les familles qui ont été éplorées et je leur apporte mes encouragements. Mais ce qui est important, c'est de faire en sorte que ces choses-là, ces tueries, cessent définitivement. Et cela appelle la contribution de nous tous. Mais particulièrement, faire des propositions au gouvernement de la République, au gouverneur de la province, pour que le travail qui est en train d'être fait ici se fasse avec la contribution de tout le monde et que les résultats nous arrivent rapidement. Donc, je compatis aux familles éplorées, mais j'en appelle, et c'est ça qui est important, encore une fois, à tous ceux qui détiennent les armes et à tous ceux qui s'adonnent à de telles pratiques, que cela cesse. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la tranquillité. Nous ne pouvons pas prétendre au développement sans la paix. Durant son parcours politique de plus de 20 ans, l'honorable Tibassi Mambogemo Ateni ne cesse d'œuvrer pour la paix dans son Ituri natal.